tu veux en savoir plus sur le dernier mystère mystérieux qui est sorti ce 29 du 10, eh bien tu es dans la bonne vidéo. Salut à toi l'ami, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme pour ce nouveau mystère, en partie résolu, car évidemment, ben, j'ai le nom, je sais ce que c'est, en tout cas, plus ou moins. Vu que j'ai son nom, du coup, eh bien, évidemment, on peut imaginer un petit peu plus. Donc, quand on va sur le wiki, on peut voir dans les structures le jet. Eh bien, oui, les amis, le jet. Alors, ce n'est pas une structure, c'est un véhicule, le jet. Et quand on voit ça de plus près, ça ressemble pas trop à un avion. On a quelques détails avec les transmissions mystérieuses décodées. Demande de rapport d'état, nos explorations se développent, beaucoup de terrain à couvrir et tout n'est pas solide. C'est de la flotte évidemment. Validez votre prochaine entrée machin. Entrée de terminal 07, marécage, lave, montagne, cratère, tracer une piste est un travail difficile ici. L'astuce consiste à interagir le moins possible avec le parcours. Donc ne pas toucher le sol. C'est ce qu'on peut comprendre. Un jet, évidemment, ça ressemble plus à un avion qu'autre chose. Quand vous regardez sur Internet, un jet, c'est un avion, logiquement. Or, ceci ne ressemble pas du tout à un avion. On dirait une plateforme là sur laquelle on peut se poser, ou alors c'est un jet peut-être multifonction. Voilà à quoi ça ressemble normalement un jet. Ça ressemble pas trop à ça. Est-ce que ce serait un hybride entre un jet et un espèce de hors-board? Est-ce qu'il pourrait aller sur l'eau, se poser sur l'eau, carrément aller dans l'eau? Ce serait un véhicule amphibie. On ne sait pas si c'est tech, mais il y a quand même des petits airs de tech. Hein. En tout cas, quand on voit les rebords, on dirait vraiment que c'est du métal. Alors, le dossier déchiré est tech, évidemment, donc ça perturbe un petit peu l'analyse. Alors, on a eu quand même beaucoup, beaucoup d'éléments. On en a de plus en plus. On n'a plus de créatures pour le moment, mais on a de plus en plus de structures, d'objets, d'armes, et maintenant un véhicule. Je pense que ce DLC va être un truc de ouf, les amis. N'oubliez pas que Genesis a été reporté fin janvier pour être peaufiné. N'oubliez pas non plus que vous pouvez déjà acheter le Season Pass, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donnez votre avis. N'hésitez pas à mettre le like pour faire plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.